Tu m'entends, Christophe? Ok. Donc le jury est composé de Christophe Josserand, qui est chercheur au CNRS, directeur du département de mécanique de l'école polytechnique, ou qui était, enfin voilà. Donc Élise Laurenceau, qui est chercheuse au CNRS, semble-t-il. Stéphane Dorbolo, qui est chercheur à Liège. Florence Lequien, qui est co-encadrante de thèse et qui travaille au CEA. Christophe Poulard, qui est rapporteur de cette thèse. Stéphane Dorbolo aussi, j'ai oublié de le préciser. Et José Maria Fulana, qui est directeur de thèse. Voilà, donc Cécile, tu as 45 minutes pour nous présenter ton travail de thèse. Alors, est-ce que c'est bon le son pour Christophe ? Donc, bonjour à tous, merci d'être venus assister à ma séance de thèse, donc, qui s'intitule « Évaporation de gouttes Cécile, hydrodynamique et morphologie des dépôts salins ». Donc c'est une thèse qui est réalisée entre le CEA de Saclay au laboratoire d'études de la corrosion non aqueuse de l'ECNA et également à Sorbonne Université, donc ici même à l'Institut Jean-Léon d'Alembert. Donc la thèse a été encadrée et dirigée par José Maria Fulana et co-encadrée par Florence Lequien. Pour commencer cette présentation, je vais vous parler un peu du contexte et notamment des gouttes. Donc les gouttes, c'est des objets familiers que vous rencontrez régulièrement dans votre vie quotidienne et il existe différents types de gouttes. Par exemple, il existe les gouttes qui forment les aérosols ou la poussière, des ensembles de fines gouttes d'eau qui sont suspendues dans l'air. Il existe aussi, comme par exemple ici, les gouttes pendantes. Donc au bout de cette stalactite qui est en train de fondre, vous avez peut-être aussi déjà vu des gouttes pendantes au bout d'une pipette lorsque vous prélevez un liquide ou au bout d'un robinet lorsque celui-ci est en train de fuir. Enfin, il existe une troisième catégorie de gouttes qu'on appelle les gouttes Cécile. Donc les gouttes Cécile, ce sont des gouttes qui sont posées sur une surface et qui sont donc en contact direct avec un matériau. Par exemple, les gouttes de pluie sur le pare-brise d'une voiture sont des gouttes Cécile. Vous avez peut-être aussi vu des gouttes Cécile sur des tissus déperlants ou sur une nappe, par exemple. Et enfin, on a déjà pu voir des gouttes Cécile sur les feuilles des plantes après que la rosée les ait formées. Donc dans cette thèse, on va se focaliser sur les gouttes Cécile et c'est l'objet qu'on va étudier. Donc c'est un objet en fait qui a un système assez complexe et qui mêle les trois phases de la matière, solide, liquide et gaz, notamment en un point de contact, qui est le point triple, et au niveau de la ligne de contact, qui est le périmètre de la goutte, la ligne triple. Donc c'est un système qui a été beaucoup étudié par le passé, notamment par Thomas Young et Pierre-Simon Laplace, qui se sont intéressés à l'étalement des liquides sur les matériaux. Ensuite, c'est un système qui est resté très étudié en raison de sa richesse physique et aussi de nombreuses applications. Donc la forme que la goutte va adopter sur la surface, en fait, ça résulte d'une compétition entre les forces de gravité et les forces de tension de surface. Donc ce ratio, il peut être comparé et caractérisé par le nombre de bondes qui s'affiche juste ici, qui donc compare la gravité G sur la tension de surface. Si ce nombre de bondes est inférieur à 1, alors cela veut dire que la tension de surface domine et c'est cette tension de surface qui va donner la forme à la goutte et donc on est dans une forme qui est une calotte sphérique. Donc en fait, une calotte sphérique, c'est une portion de sphère sur la surface. Ensuite, en fonction des conditions d'environnement de la goutte, donc de la température, de l'humidité, la goutte, en fait, elle peut s'évaporer. Donc l'évaporation, c'est un changement de phase. C'est un passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et le mécanisme de cette évaporation, il peut être convectif ou diffusif. Dans la thèse, on va faire l'hypothèse que l'évaporation est un mécanisme purement diffusif. C'est donc la diffusion de la vapeur d'eau dans l'air qui va être le moteur de notre évaporation. Donc toute cette dynamique à l'extérieur de la goutte et également à l'interface de la goutte, en fait, ça entraîne une hydrodynamique à l'intérieur de la goutte, dont on reparlera plus tard dans la présentation. Donc si on reprend l'évaporation, pour une goutte Cécile, en fait, il y a différents modes d'évaporation qui existent. Donc le premier mode, par exemple, le mode à rayon constant, on a le rayon de la goutte, la ligne triple, qui va être fixe en temps et ancrée sur le substrat, alors que l'angle de contact va diminuer. C'est un mode, par exemple, qui apparaît lorsque le substrat est rugueux. Ensuite, il y a un second mode, qui est le mode à angle constant, où cette fois-ci, le rayon de la goutte décroît au cours du temps, alors que l'angle de contact, en fait, reste fixe.
C'est un mode cette fois-ci qui apparaît plutôt lorsque le substrat est lisse. Finalement, il y a un troisième mode qu'on appelle le mode mixte et qui est une combinaison des deux premiers modes que je vous ai présentés et qui donc a une alternance de décroissance du rayon et de l'angle de contact au cours du temps. Donc, dans la thèse, on a fait des études sur les deux premiers modes que je vous ai présentés, à rayon constant et angle constant. Et dans cette présentation, je vais me focaliser sur les études que nous avons réalisées dans le mode à rayon constant. Pour caractériser l'évaporation, on peut aussi chercher à donner une équation du flux d'évaporation sur l'interface de la goutte. Ce flux d'évaporation, il a été caractérisé par Maxwell, par exemple, en faisant une analogie avec l'électrostatique, et puis quelques années après, par Langmuir, en faisant une analogie avec la chaleur. Donc pour une goutte Cécile, ce qu'il faut retenir, c'est que le flux d'évaporation, en fait, il dépend de l'angle de contact θ. Donc par exemple, si l'angle de contact est inférieur à 90 degrés, alors le flux en fait est non uniforme. On peut avoir une évaporation plus importante sur les bords de la goutte qu'au niveau du sommet. Donc ça veut dire que la goutte, elle s'évapore plus vite au niveau des bords qu'au niveau du sommet. Si maintenant on a un angle de contact de 90 degrés, alors on a un cas particulier, le flux est uniforme, et en fait c'est un cas de symétrie parfaite. Finalement, si l'angle de contact θ est supérieur à 90 degrés, on a à nouveau un flux non uniforme, mais par contre, il va être plus important au sommet de la goutte qu'au niveau des bords de la goutte. Dans la thèse, on a considéré des angles de contact entre 0 et 90 degrés, donc on a traité des flux non uniformes et des flux uniformes. La goutte Cécile, elle peut être composée d'un liquide pur ou bien d'un mélange. Donc un mélange, par exemple, ça va être un liquide principal, le solvant, dans lequel on vient ajouter des composés, donc des particules en suspension ou bien un soluté qu'on va venir dissoudre. Si ces composés qu'on ajoute sont non volatiles, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'évaporer, ils ne peuvent pas passer en phase gazeuse, alors on va avoir un dépôt qui va rester sur la surface. Et en fait, ce résidu qui reste sur la surface, il pose de nombreuses problématiques dans plusieurs domaines industriels, notamment tout ce qui est impression, revêtement et analyse biomédicale. Donc pour illustrer ça, on peut regarder deux exemples de dépôts obtenus. Donc le premier, c'est celui lorsqu'une goutte de sang sèche sur une surface. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la morphologie du dépôt, elle donne des informations quant à la santé de la personne à qui appartient cette goutte de sang. Ensuite, si on regarde un autre exemple, l'exemple des taches de café, si vous renversez une goutte de café sur une table et qu'elle sèche, elle va former cette tache où le pourtour est plus foncé que le centre. Donc cette tache a notamment été caractérisée par Deegan en 1997 comme un anneau de café, un coffee ring. Donc on voit là que la morphologie de dépôt salin et ce qu'on observe, en fait, tout court, c'est la caractérisation en fait, de l'hydrodynamique et de l'évaporation qui joue. Donc dans la thèse, on a considéré des gouttes constituées d'un mélange qui est en fait de l'eau et du sel. Donc on s'est intéressé au chlorure de sodium comme sel, puisque c'est un sel assez courant et c'est aussi le sel qui constitue majoritairement nos océans. Et dans la thèse, on cherche à se placer proche de conditions d'environnement marin. Donc il y a une problématique en fait qui s'ajoute lorsqu'on considère du sel, puisqu'il peut y avoir la cristallisation qui apparaît lors de l'évaporation à l'intérieur de la goutte. Donc on va former en fait des cristaux de sel, et ces cristaux de sel ils vont ensuite se retrouver dans le dépôt salin à la fin de l'évaporation, comme vous pouvez le voir juste ici sur une image de nos essais. Donc si on résume, on a une goutte qui contient du sel, qui est en contact direct avec un matériau, et en fonction des propriétés en fait, de ce matériau, on peut avoir la mise en place de phénomènes de corrosion, et donc la dégradation du matériau. Donc on voit ici que un des témoins de la corrosion, c'est les produits de corrosion qui apparaissent ici en jaune dans le dépôt salin. Donc la corrosion, on l'a dit, c'est une dégradation du matériau, et donc ça entraîne bien évidemment des risques opérationnels et puis aussi des coûts financiers. Donc il y a un réel enjeu en fait à essayer de prédire et de comprendre ces phénomènes de corrosion sous goutte. Dans les environnements marins, notamment, les infrastructures, elles sont particulièrement exposées à la corrosion, puisque certaines infrastructures, comme ici un bateau ou un pilier de pont, en fait, baignent directement dans des solutions salines. Dans la thèse, on va considérer un cas de corrosion qui est un petit peu différent, puisqu'on ne va pas considérer une corrosion en plein bain, mais on va considérer une corrosion sous goutte. Donc, à nouveau dans les environnements marins, vous avez les embruns qui en fait transportent de fines gouttes d'eau salée et qui viennent les déposer sur les infrastructures alentour, donc par exemple les bâtiments. Et donc, on a la formation de gouttes Cécile qui contiennent du sel sur des surfaces. Et donc, encore une fois, on peut avoir l'apparition de corrosion sous goutte. Pour
pour illustrer ce phénomène de corrosion, on peut regarder le guidon de mon vélo qui a en fait passé un petit temps au niveau de la côte atlantique et on remarque sur le guidon de mon vélo qu'il a été exposé aux embruns et qu'on voit apparaître des traces de corrosion. Donc tout ceci, ça constitue en fait un système qui est très riche et très complexe où on mêle de l'hydrodynamique et de la corrosion. Et on l'a dit, pour comprendre et prédire la corrosion, il est important en fait de comprendre l'évaporation et l'hydrodynamique au sein de la goutte. Donc dans la thèse, dans cette perspective, on s'est intéressé à un système simplifié où on va étudier en fait la dynamique d'évaporation et l'hydrodynamique. Donc on ne considère pas la corrosion dans la thèse, mais on la garde en perspective dans nos études et pour choisir nos conditions. Pour guider cette présentation, on se pose deux questions. La première, c'est comment se caractérise la dynamique d'évaporation en fonction des conditions, donc en fonction de la température, en fonction de l'humidité, en fonction de la taille de la goutte, en fonction de, par exemple, la concentration en sel dans la goutte. Ensuite, on peut aussi se demander comment se forment les dépôts salins et peut-on les prédire. Pour répondre à ces deux questions, on a procédé en deux étapes. Donc une première partie où on a considéré des gouttes d'eau pure et une seconde partie où on a considéré des gouttes d'eau salée. Donc de cette façon, en fait, on procède étape par étape et on constitue un système de plus en plus complexe. Dans chacune des parties, on a fait deux études, à chaque fois, une étude expérimentale et une étude numérique. Et donc, les études expérimentales, elles ont été réalisées en collaboration avec des stagiaires, Annel Givaudan, Paul Boumendil, Ilias Rani et Vouaïla. Donc, dans cette présentation, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter l'entièreté des études que nous avons réalisées. Et donc, j'en ai choisi quelques-unes. Donc avant de passer à la première partie sur les gouttes d'eau pure, je vais d'abord vous introduire en fait l'outil numérique qu'on utilise dans cette thèse pour faire nos simulations. Donc il s'agit du code open source Basilisk qui est développé ici à l'Institut Jean Lourdes à Lambert et qui permet la simulation d'écoulement diphasique. Donc nous on a bien un problème diphasique puisqu'on a une goutte d'eau liquide dans un environnement gazeux. Donc pour résoudre ces problèmes diphasiques, Basilisk qui se base sur la formulation qu'on appelle la formulation 1 fluide. Donc dans notre domaine de calcul, on a deux phases, la phase liquide en bleu et la phase gazeuse en blanc. Et donc pour repérer chacune de ces phases, on utilise une fonction qui s'appelle la fraction volumique, F, et qui va valoir en fait 1 dans la partie liquide et 0 dans la partie gazeuse. Et au niveau de l'interface, là, on peut avoir des cellules qui contiennent à la fois du liquide et du gaz. On a une valeur de fraction volumique qui varie entre 0 et 1. Donc, c'est cet outil et c'est cette fonction qui nous permet, en fait, d'identifier chacune des phases et notamment l'interface. Et un autre avantage à Basilisk, c'est la possibilité d'utiliser un maillage adaptatif. Donc, on peut choisir de raffiner une certaine partie de notre domaine de calcul, donc comme par exemple ici, au niveau de l'interface de la goutte. Et ça nous permet d'être précis dans cette zone d'intérêt et de gagner en temps de calcul en raffinant moins le reste du domaine. Donc pour ce qui est de la reconstruction et de l'advection de l'interface, on utilise la méthode volume of fluid. Et bien évidemment, tous les résultats qui sont présentés, les simulations qui ont été effectuées, ils ont été faits avec un choix de domaine et de maillage qui permettent d'avoir des résultats convergés. Donc on va maintenant passer à la première partie de l'étude, donc les gouttes d'eau pure, et je vais commencer par vous présenter l'étude expérimentale et les résultats que nous avons obtenus. Donc pour l'étude expérimentale, on a mis en place un dispositif qui se constitue d'une boîte à gants hermétique et dans laquelle on peut venir contrôler l'humidité relative avec deux modules assécheurs et humidificateurs. Et donc on peut régler l'humidité de 5 à 50% dans la boîte. Et donc ça nous permet d'être dans des conditions contrôlées. Dans les expériences, on mesure aussi la température et on considère que la température reste bien constante tout au long de notre expérience et donc que la température en fait n'influence pas notre système. Ensuite, pour former les gouttes sessiles, on utilise une micropipette donc, qui nous permet en fait de contrôler le volume initial de gouttes qu'on va apporter et d'avoir des gouttes qui respectent notamment l'hypothèse de calotte sphérique dont on a parlé précédemment. Donc avec la micropipette, on prélève de l'eau distillée et on vient la déposer sur un substrat qui est choisi ici en cuivre pour les expériences d'eau pure. Donc l'ensemble substrat plus gouttes est placé à l'intérieur de l'enceinte de la boîte et on vient après avec un appareil photo filmer et prendre des photos de côté de la goutte. Comme ça, on suit en fait la dynamique d'évaporation de la goutte au cours du temps. Donc on peut regarder ici un exemple d'un essai qu'on a réalisé dans des conditions de température à 25 degrés, une humidité de 10% et un volume initial de 42 microlitres. Donc on va voir ici une vidéo accélérée de la goutte qui s'évapore et c'est un essai après qu'on va analyser dans la suite de la présentation.
Donc si on reprend un peu les photos qu'on obtient dans nos expériences, donc on arrive bien à suivre la goutte au cours du temps. Et donc on voit la goutte qui apparaît en noir, le substrat solide qui apparaît aussi en noir en bas de l'image, et l'air ambiant qui apparaît en gris. Donc ensuite, avec ces photos, donc ces séries de photos, en fait, on arrive à suivre la dynamique au cours du temps, et notamment trois paramètres. Le premier, c'est le rayon de contact de la goutte au cours du temps, R. Ensuite, la hauteur maximale de la goutte, H. Et l'angle de contact, θ. Donc, à partir de ces photos qui sont brutes, on peut faire toute une série d'analyses et de post-traitements. Et pour cela, on utilise deux logiciels, Imagi et Python. Et en fait, on a développé au cours de la thèse une routine de traitement d'image pour ensuite obtenir des résultats assez précis, puisqu'on mesurait des angles de contact à plus ou moins 1,7 degré et des distances à plus ou moins 3 micromètres. Donc on va regarder un film en fait, d'une goutte qui s'évapore dans le mode à rayon constant, post-traité. Donc on voit la goutte en noir, le rayon est bien fixe et l'air ambiant est maintenant en blanc. Et à partir donc, de ce film post-traité, de ces images, on suit les paramètres géométriques de la goutte. Donc par exemple, ici on va tracer la hauteur au cours du temps et l'angle au cours du temps. Donc on remarque que pour cet essai, la goutte met à peu près 45 minutes à s'évaporer et que ces deux paramètres en fait, suivent une décroissance linéaire en temps. Et donc cette dynamique, en fait, on l'a trouvée expérimentalement et on cherche à la valider. Et pour cela, on va comparer avec des lois théoriques qui existent dans la littérature. Et quand on compare nos résultats avec la théorie, on remarque que la dynamique est très cohérente et donc ça nous permet de valider notre protocole et nos résultats. Donc maintenant qu'on a suivi la hauteur, l'angle et qu'on a accès également au rayon, en fait, on peut calculer le volume de la goutte puisqu'on est dans un cas de calotte sphérique. Donc on a une relation géométrique directe qui nous permet de calculer le volume. Si on trace ce paramètre de volume au cours du temps, on remarque à nouveau qu'il suit une décroissance linéaire. Et donc comme tout à l'heure, on peut se demander est-ce que cette dynamique est bien celle qu'on attend, et donc on compare avec une loi théorique de la littérature. À nouveau, on trouve un très bon accord et donc ça nous permet de valider nos résultats et donc cette dynamique linéaire décroissante de la goutte Cécile dans un mode à rayon constant. Donc là, on a aussi choisi de faire varier les paramètres de contrôle en fait, de notre expérience. Donc par exemple, le volume initial de la goutte ou l'humidité relative. Donc je vais vous présenter ici l'étude que nous avons faite sur l'influence de l'humidité relative sur cette dynamique d'évaporation. Donc on a fait trois essais à trois humidités différentes, 10%, 20% et 30%. Et on vient tracer le volume au cours du temps pour chaque expérience. Donc là, on trace le volume adimensionné par le volume initial de chaque goutte, V0. Et on remarque que pour les trois cas, on a toujours la même dynamique linéaire et décroissante, mais que par contre, on a une influence de l'humidité, puisque plus l'humidité relative augmente, plus l'évaporation est longue. Donc ça semble que l'humidité relative, en fait, elle n'influence que le temps final d'évaporation et pas réellement la dynamique. Donc si, pour s'en convaincre, en fait, on peut essayer d'adimensionner nos résultats, et notamment par un continuel TF. Et ce qu'on remarque, c'est que tous nos résultats se superposent selon une seule courbe typique. Et donc cela veut dire que les trois résultats ont le même moteur de l'évaporation, qui ici est identifié comme la diffusion. Donc ceci conclut la partie expérimentale sur les gouttes d'eau pure et on va maintenant passer à la seconde étude, donc l'étude numérique maintenant, mais sur toujours les gouttes d'eau pure. Donc pour construire un modèle numérique dans Basilisk, on a fait un certain nombre d'implémentations numériques et dans cette présentation, je vais vous en présenter deux. La première, c'est la prise en compte du changement de phase. Donc on l'a vu, dans l'évaporation, c'est un changement de phase en fait. Et ce changement de phase, il se caractérise par un transfert de masse, puisque la masse volumique de l'eau liquide n'est pas la même que la masse volumique de la vapeur d'eau. Et donc on a un saut de vitesse à l'interface. Et ça se traduit dans le gaz autour de la goutte comme un flux convectif qu'on appelle le flux de Stefan. Et donc pour qu'on construise un modèle numérique qui reproduise au plus proche la dynamique physique de notre goutte, on a cherché à prendre en compte ce flux de Stefan dans notre modèle. Donc pour cela, on a calculé le terme de transfert de masse en point Q et on l'a ajouté dans les équations. On l'a calculé de façon numérique en nous basant sur la fraction volumique F et on l'a implémenté au cours du temps.
Donc la seconde condition que nous avons mis en place, c'est la condition d'ancrage de la ligne triple. Donc on l'a dit, en fait, on cherche à reproduire et à simuler l'évaporation de gouttes dans un mode à rayon constant où le rayon de la goutte doit être fixe en temps. Et pour ce faire, on a mis en place une méthode géométrique qui en fait se base sur les fonctions hauteur horizontales de basilisque. Donc les fonctions hauteur, ça nous permet de mesurer la distance du centre de la cellule vers l'interface selon chaque axe. Et c'est une méthode qui se montre efficace pour des angles initiaux qui varient entre 45 et 90 degrés. Donc si on regarde ici une reconstruction numérique de l'interface au cours du temps, on remarque qu'on a bien un rayon de contact qui est fixe au cours du temps et un angle de contact qui diminue. Donc maintenant qu'on a mis en place ces deux ingrédients, on peut passer aux simulations numériques de la goutte Cécile et on va à nouveau s'intéresser au suivi géométrique de la goutte au cours du temps. Donc on peut tracer la hauteur au cours du temps et le volume au cours du temps et on observe que l'évolution est décroissante et linéaire. Et donc, pour valider ce modèle numérique et ses résultats, on peut en fait les comparer avec l'étude expérimentale qu'on avait fait juste à présent et que je vous ai présentée. Et si on fait ça, on se rend compte qu'on a un très bon accord entre les résultats expérimentaux et les résultats numériques. Et donc, ça nous permet en fait de valider le modèle numérique que nous avons mis en place. Pour aller plus loin avec le modèle numérique, on peut avoir accès aux champs de vitesse à l'intérieur de la goutte et donc avoir accès en fait à l'hydrodynamique qui se met en place dans la goutte. Donc on peut tracer ici le champ de vecteur vitesse de l'écoulement à l'intérieur de la goutte. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a un flux qui est dirigé du sommet de la goutte vers le bord de la goutte. Donc ce flux, il a une origine physique et il est bien cohérent puisqu'on est dans un cas où le flux d'évaporation est non uniforme. Il est plus important au niveau des bords de la goutte que du sommet. Et donc on a une évaporation plus forte au niveau de la ligne triple. Et cette évaporation plus forte, en fait, elle nécessite une compensation qui se caractérise sous la forme de ce flux qu'on appelle écoulement capillaire. Donc notre modèle numérique, il est capable de reproduire cette hydrodynamique à l'intérieur de la goutte. Et si on regarde maintenant d'un point de vue de ce qui se passe dans le gaz en fait, qui entoure notre goutte, on remarque qu'en traçant les lignes de courant, on voit apparaître une zone de recirculation qui en fait caractérise bien l'effet du changement de phase et ce fameux flux de Stefan que je vous ai introduit. Donc là, la zone de recirculation, elle a des vitesses maximales qui sont de l'ordre de 10⁻⁸ mètres par seconde, donc c'est extrêmement faible. Et finalement, ça n'a pas d'impact réel sur la dynamique de notre système. Mais dans d'autres conditions, ça pourrait avoir des vitesses beaucoup plus importantes. Et donc, c'est important d'avoir un modèle numérique qui est capable de reproduire ce genre de dynamique. Donc ceci, ça conclut la partie 1 sur les gouttes d'eau pure. Et donc maintenant qu'on a fait ce travail, on va passer aux gouttes d'eau salée. Et donc on va ajouter du sel dans notre goutte. Donc pour commencer cette seconde partie, je vais vous parler de l'étude expérimentale qu'on a réalisée. Donc on a repris le premier dispositif expérimental que nous avions mis en place et en fait on l'a amélioré avec les observations que nous avions faites sur ces limitations. Et on a notamment choisi d'ajouter une seconde caméra qui nous permet en fait d'avoir une vue de dessus de la goutte, ce qui est assez important, vous allez le voir. Donc pour former nos gouttes de solution salée, on prépare des solutions salines avec du chlorure de sodium. Et donc on va tester des concentrations initiales en sel qui varient de 10⁻⁴ mol par litre à 1,5 mol par litre. Donc pour vous donner une idée, la concentration en sel dans l'océan Atlantique est d'environ 10⁻⁰ mol par litre et la concentration en sel dans la mer Morte, c'est environ 3,7 mol par litre. Donc on est vraiment dans des conditions qui reproduisent des environnements marins. C'est ce qu'on voulait dans nos Donc le substrat qu'on choisit pour ces expériences, c'est un substrat qui est fait en silicium. Et donc, si on regarde les deux vues de notre goutte au cours du temps, donc on remarque qu'on a la vue de côté qui nous permet toujours un suivi des paramètres géométriques et la vue de dessus qui nous permet en fait d'observer la formation des cristaux de sel et également donc du dépôt salin qu'on obtient à la fin de l'évaporation de notre goutte. Donc la première étude qu'on a réalisée avec ces gouttes salées, c'est en fait d'étudier l'évolution de la morphologie des dépôts salins en fonction de la concentration initiale en sel. Donc sur cette frise, on fait varier la concentration initiale en sel de 10⁻⁴ mol par litre à 1,5 mol par litre. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a des morphologies de dépôts salins qui sont vraiment différentes et assez intrigantes. Donc quand la concentration initiale est assez faible, on a en fait un dépôt salin qui forme un anneau. Et donc cet anneau, c'est le fameux anneau de Digan, le Coffee Ring, qu'on retrouve.
Ensuite, lorsque on augmente cette concentration en sel, on a en fait un changement de la morphologie du dépôt et on a une transition vers un nouveau type de dépôt qui est le dépôt uniforme, où en fait on a une fine couche de sel qui va recouvrir toute la surface de contact initialement entre la goutte et le matériau. Ensuite, quand on dépasse une certaine concentration de 7,5 10^2 mol par litre dans nos expériences, on remarque qu'on voit apparaître à l'œil nu directement dans le dépôt salin des structures cristallines de plus en plus grosses. Et donc, ces structures cristallines forment des dépôts qui évoluent avec la concentration initiale en sel dans notre goutte. Donc pour expliquer en fait la morphologie de ces dépôts salins, on peut faire un lien avec l'hydrodynamique. Donc la présence du sel dans notre goutte, en fait, elle modifie la tension de surface de la goutte. Donc on le voit ici, il y a une relation, d'après la littérature, entre la tension de surface et la concentration initiale en sel. Donc pour des concentrations inférieures à 10^-1, en fait, on n'a pas de variation de la tension de surface, mais dès qu'on dépasse une certaine limite, on a un fort impact sur la tension de surface. À l'instant initial, lorsque je dépose ma goutte, en fait, on fait l'hypothèse que la concentration initiale dans la goutte, elle est uniforme. Puis ensuite, on a le flux d'évaporation non uniforme qui se met en place sur l'interface, et on a cet écoulement capillaire qui également se met en place. Et cet écoulement capillaire, en fait, il transporte le sel dans la goutte et il conduit à une notion de concentration en sel qui va être non uniforme. Donc on va avoir du sel qui s'accumule au niveau des bords de la goutte et une zone au centre de la goutte qui est plus pauvre en sel. Donc le fait d'avoir un champ de concentration en sel qui est non uniforme, ça conduit à des gradients de tension de surface sur l'interface de la goutte. Et donc ces gradients de tension de surface, ils sont responsables de l'apparition d'un nouvel écoulement qui s'appelle l'écoulement de Marangoni. Et donc dans notre cas, il se déplace du sommet de la goutte vers les bords de la goutte, puisque le sommet de la goutte a une tension de surface plus faible que les bords de la goutte. Donc maintenant qu'on a un peu donné ces ingrédients hydrodynamiques, on peut reprendre nos morphologies de dépôts salins et faire le lien. Donc lorsqu'on a une concentration en sel qui est inférieure à 10^-3 mol par litre, on n'a pas d'écoulement de Marangoni parce qu'en fait les gradients de concentration en sel qui se mettent en place dans la goutte, ils ne sont pas assez forts pour donner lieu à un écoulement de Marangoni. On n'a pas un impact assez fort sur la tension de surface. Donc on a uniquement l'écoulement capillaire qui agit dans la goutte et donc on a une accumulation de sel au bord de la goutte et à la fin on se retrouve avec le dépôt en forme d'anneau. Si on augmente la concentration en sel, là, on va avoir un écoulement de Marangoni qui se met en place puisque la tension de surface commence à être modifiée et des gradients vont apparaître. Et donc, on est dans la zone où, en fait, on a une transition entre le dépôt co-firing et le dépôt uniforme. Enfin, si on continue donc à augmenter cette concentration en sel, on va avoir un écoulement de Marangoni qui, cette fois-ci, s'établit de plus en plus fortement et en fait qui vient agir comme un mélangeur dans notre goutte. Et donc, on va avoir à la fin un dépôt qui est uniforme sur la surface du matériau. Finalement, lorsqu'on dépasse une certaine concentration en sel, on a un fort écoulement de Marangoni et on va surtout atteindre dans la goutte des points où la cristallisation va être possible. Et donc, on va avoir la formation et la nucléation de cristaux qui ensuite, au cours de l'évaporation, vont continuer à grandir. Et donc, on va les retrouver à la fin dans le dépôt salin. Donc, si on s'intéresse aux concentrations en sel assez importantes, donc autour de 0,5 mol par litre et au-dessus, on peut en fait étudier les structures cristallines qu'on obtient et qui sont donc des structures cristallines assez importantes. Donc avec notre dispositif expérimental, on peut avoir accès en fait à la croissance des cristaux de sel à l'intérieur de la goutte au cours du temps. Donc en effet, avec notre dispositif expérimental, on mesure la hauteur de la goutte au cours du temps. Et en fait, à un certain temps T=, la hauteur des cristaux dépasse la hauteur maximale de la goutte. Et donc on voit apparaître du profil les cristaux. Et donc on peut suivre leur évolution en temps. Et donc, quand on fait ça, on remarque que la croissance en hauteur des cristaux, elle suit une loi linéaire et que la vitesse typique qu'on retrouve, elle est de l'ordre de 10^-7 mètres par seconde, ce qui est typiquement une vitesse de croissance de cristaux de chlorure de sodium d'après la littérature. Donc, pendant qu'on a fait cette première étude, on s'est demandé en fait quel est l'impact de la concentration initiale sur cette dynamique. Donc on a fait varier la concentration en sel initiale, donc à 0,5 mol par litre ou 1,5 mol par litre. Et on a remarqué qu'en fait, peu importe la concentration initiale en sel, on avait toujours la même dynamique de croissance linéaire et toujours la même vitesse de croissance des cristaux. Donc cette étude, c'est une étude préliminaire.
voit déjà des choses assez intéressantes et il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être étudiées sur ces cristaux de sel. Donc ensuite, la seconde étude qu'on a réalisée sur ces gouttes d'eau salée, c'est en fait de regarder l'influence de l'humidité relative sur les dépôts qui contiennent des structures cristallines importantes. Donc on a réalisé plusieurs essais, donc trois essais à des humidités relatives différentes, 10%, 30% et 50%. Et en fait, quand on regarde vue de dessus, on voit la formation et l'apparition des cristaux. Donc dans chaque dépôt au cours du temps, on voit l'apparition des cristaux et on remarque qu'ils apparaissent toujours au niveau des bords de la goutte. Et pour le dernier cas où l'humidité est plus importante, on voit qu'ils apparaissent au bord de la goutte et qu'ensuite ils se déplacent vers les centres parce qu'en fait, dans ce cas particulier, on va avoir un décrochage de la ligne de contact qui va pousser nos cristaux vers le centre de la goutte. Donc pour reprendre un peu une comparaison de ces trois cas, on peut tracer des frises chronologiques donc, de nos trois cas et observer et comparer les résultats. Donc on a plusieurs similitudes et on a aussi des différences dans ce qu'on observe. Donc la première similitude, on l'a vu, c'est que les cristaux se forment généralement sur le pourtour de la goutte. Et en fait, à la fin, on obtient un arrangement de cristaux sur le périmètre de la goutte qui semble assez particulier et assez déterminé. Ensuite, on a des différences là en termes de nombre de cristaux et aussi de forme de cristaux. Donc c'est ce qu'on observe dans les dépôts finaux. Donc pour faire une analyse un peu plus quantitative de ces observations, on peut calculer, mesurer le nombre de cristaux en fonction de l'humidité relative. Et donc si on le fait sur un certain nombre d'expériences répétées, on trouve que le nombre de cristaux il diminue avec l'humidité relative et donc qu'on semble suivre une loi. Si maintenant, pour compléter ces observations, on s'intéresse à la distance entre deux cristaux, donc si on a deux cristaux de sel, on peut déterminer la distance entre ceux-ci, qu'on va noter lambda. Et si on trace lambda adimensionné par R0, R0 est le rayon initial de la goutte, en fonction de l'humidité relative, alors on trouve que cette distance augmente avec l'humidité relative. Donc ces résultats et ces observations expérimentales qu'on obtient, on cherche à les expliquer. Et pour les expliquer, on propose en fait un mécanisme d'instabilité. Donc ce mécanisme d'instabilité, en fait, il aurait une longueur d'onde typique qu'on pourrait assimiler à notre distance lambda entre les cristaux que je vous ai présentés. Donc avant de parler de l'influence de l'humidité relative sur cette instabilité, je vais vous décrire en fait le mécanisme d'instabilité qu'on propose. Donc à l'instant initial, on dépose notre goutte et elle va se mettre à s'évaporer. Quand elle s'évapore, on l'a vu, l'écoulement capillaire, il entraîne une hétérogénéisation du champ de concentration en sel. Donc on a des gradients de tension de surface qui se mettent en place au sein de la goutte. Et en fait, ces gradients de tension de surface, ils vont conduire à une déstabilisation de notre système. Donc, pour caractériser ceci, on peut utiliser le nombre de Marangoni solutal. Donc le nombre de Marangoni solutal que vous voyez juste ici, en fait, il compare l'effet du gradient de tension de surface qui est induit par un gradient de concentration delta C sur les forces visqueuses. Et donc si ce nombre de Marangoni est supérieur à une valeur critique qui est identifiée dans la littérature à 10 puissance 2, alors on va avoir le développement d'instabilité dans notre système. Et ces instabilités, en fait, elles se matérialisent sous la forme de cellules de recirculation à l'intérieur de la goutte. Donc si je calcule le nombre de Marangoni critiques dans notre système de goutte, en fait, on trouve un nombre de Marangoni qui est autour de 10 puissance 3, donc qui est bien au-dessus de ce Marangoni critique, et qui donc, ce qui veut dire que en fait, notre système va pouvoir se déstabiliser et qu'une une instabilité va pouvoir s'y développer. Et donc, on va avoir la formation de cellules de recirculation à l'intérieur de la goutte. Donc si on revient maintenant en fait à l'influence de l'humidité relative, on voit l'humidité relative comme une perturbation initiale qui est donnée au système. Donc en fonction de l'humidité relative, en fait, on a une évaporation qui est plus ou moins rapide. Donc si on diminue l'humidité relative, la goutte va s'évaporer plus vite, donc on va atteindre plus rapidement des forts gradients, et donc le système va se déstabiliser, selon notre scénario, en plus de cellules de recirculation. Et donc, il y a un lien entre les cellules de recirculation et la position des cristaux, puisque les cellules de recirculation et l'instabilité se mettent en place très rapidement par rapport à la nucléation et à la formation des cristaux. Et donc, c'est en fait ces cellules de recirculation qui piloteraient l'arrangement des cristaux dans le dépôt salin. Donc, ce mécanisme, il y a encore plusieurs questions qui restent à répondre pour le valider, et notamment une perspective
serait de faire un travail numérique pour compléter nos observations. Mais pour conclure, c'est un mécanisme en fait qui permet de justifier l'arrangement des cristaux qu'on obtient et qui est bien compatible avec les observations expérimentales qu'on a fait. Donc ceci, ça conclut la partie expérimentale sur les gouttes d'eau salée. Et je vais maintenant parler des gouttes d'eau salée, donc d'un point de vue numérique, en vous présentant les travaux qu'on a faits. Donc si dans la première partie, on avait fait le travail sur les gouttes d'eau pure, on avait mis en place un modèle numérique pour des liquides purs. Si maintenant on considère un mélange, il y a un certain nombre de modifications qu'il faut apporter au modèle numérique. Et notamment, on doit prendre en compte en fait, la présence de ce soluté qui est mis de la tour du sel et qui doit toujours rester dans la phase liquide de la goutte au cours du temps. Ensuite, on l'a vu, une particularité, c'est que le champ de concentration en sel, il va évoluer au cours du temps et il va devenir hétérogène. Et donc cette hétérogénéité, on l'a vu, ça a un impact sur la tension de surface et ça crée des gradients de tension de surface et donc un nouvel écoulement à l'intérieur de notre goutte qui est l'écoulement de Marangoni. Donc enfin, on a la formation d'un dépôt salin, on l'a vu, on a des cristaux de sel qui peuvent se former en fonction de la concentration en sel. Et donc dans le modèle numérique, ça veut dire qu'il faut prendre en compte un nouveau changement de phase ou un passage de l'état liquide à l'état solide. Donc parmi ces modifications qu'on doit apporter, il y a un certain nombre qui ont déjà été effectuées dans Basilisk et il y en a d'autres qui n'ont pas encore été effectuées. Et on s'est intéressé, nous, dans la thèse, particulièrement en fait, à l'implémentation des contraintes de Marangoni, donc au travail sur la tension de surface. Et on a proposé une méthode, notamment en travaillant sur une approche simplifiée de notre système où on ne considère pas d'évaporation. Donc la tension de surface, si on reprend son expression, en fait, c'est, on peut la décomposer en deux parties. La première, c'est la pression de la place. Donc c'est une composante qui est déjà implémentée dans Basilisk et qui était déjà prise en compte dans nos simulations numériques. Et ensuite, il y a une deuxième composante qui s'appelle les contributions de Marangoni et qui rend compte en fait du gradient de tension de surface qui peut y avoir. Et donc, on a cherché à caractériser et à calculer ces contributions de Marangoni. Et donc, on a proposé une méthode un peu différente de ce qui avait été fait jusqu'à présent en se basant sur les fonctions hauteur à la fois verticales et horizontales de Basilisk. Et donc, ceci, ça nous permet en fait de retrouver la pente de l'interface dans chaque cellule, donc la pente M. Et à travers ce calcul, on peut en déduire de façon plus précise le gradient de tension de surface delta gamma et les normales et la tangente à l'interface. Donc là, notamment la normale qu'on retrouve avec cette méthode de fonction hauteur, en fait, elle nous donne une approximation plus précise que si on calculait la normale avec une autre méthode, avec la méthode volumétrique. Donc si on regarde ce schéma, on voit que les fonctions hauteur reconstruites avec les normales reconstruites avec les fonctions hauteur, pardon, en bleu sont plus proches des normales théoriques en vert qu'avec l'autre méthode. Et pour vérifier que cette méthode est efficace d'un point de vue physique et hydrodynamique, on peut regarder en fait le champ de vitesse à l'intérieur de notre goutte. Donc en regardant ce champ de vitesse, on va voir si le gradient de tension de surface qu'on a imposé, il conduit bien à une hydrodynamique et donc que les contraintes de Marangoni sont bien calculées. Donc là, on voit que lorsqu'on impose ce gradient de tension de surface, on retrouve bien un écoulement de Marangoni qui est dirigé du sommet de la goutte vers les bords de la goutte. Et cet écoulement de Marangoni peut entraîner une zone de recirculation, comme on le voit avec les lignes de courant. Donc ce premier travail, il permet de calculer correctement les contraintes de Marangoni et il reste en perspective, bien évidemment, à le coupler avec le reste du système, notamment avec l'évaporation. Donc, je vais passer à la troisième partie de cette présentation, donc, qui sont les conclusions et les perspectives. Donc, pour conclure, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre les deux premières questions qu'on s'était posées au début de la thèse. Donc la première, c'était comment se caractérise la dynamique d'évaporation en fonction des conditions. Donc pour répondre à cette question, en fait, on a mis en place un modèle numérique qui nous permet de simuler l'évaporation d'une goutte d'eau sessile sur un substrat. Et donc on a fait dans les modes à rayon constant et également à angle constant. Ce modèle numérique, il a été validé par des données expérimentales que nous avions mis en place en parallèle. Et donc avec tout ça, on a pu caractériser la dynamique d'évaporation des gouttes sessiles dans les deux modes. À travers une étude des paramètres géométriques et aussi à travers des études paramétriques en variant les paramètres de contrôle. La deuxième question, c'était comment se forment les dépôts salins et peut-on les prédire? Donc on a vu qu'il y avait un fort lien avec nos études expérimentales notamment entre l'hydrodynamique et la morphologie des dépôts salins.
On a vu aussi que la morphologie des dépôts salins, elle était fortement impactée par la concentration initiale en sel et également l'humidité relative. Et pour expliquer les morphologies de dépôts salins qu'on observait sous l'effet de l'humidité relative, on a proposé un mécanisme d'instabilité. Enfin, pour conclure, donc la prédiction des dépôts salins, elle nécessite bien une prédiction et une compréhension de l'évaporation et des écoulements à l'intérieur de la goutte. Donc pour ce travail, il y a de nombreuses perspectives et là, bien évidemment, la première perspective, c'est de prendre en compte l'intégralité du système et notamment la corrosion sous goutte qui peut apparaître dans certaines conditions et avec certains matériaux. Donc si tel est le cas, alors on a un système qui couple de l'isodynamique, de l'électrochimie et de la corrosion. Et donc on a dans la thèse fait un certain nombre d'implémentations numériques en fait qui permettent de tendre vers la construction d'un outil numérique complet sous base LISC. Donc cet outil numérique il nous permettrait en fait d'étudier donc la corrosion sous goutte et donc de potentiellement pouvoir prédire l'endommagement des matériaux et par exemple de donner des informations pour limiter la dégradation des matériaux dans les environnements marins si on considère des gouttes d'eau salée. Enfin, pour se rapprocher des conditions naturelles, on pourrait étudier des cycles d'évaporation, donc comme des cycles jour-nuit, où on aurait des phases successives d'évaporation et de condensation. Donc cette partie sur les cycles d'évaporation, elle a déjà commencé d'un point de vue expérimental au laboratoire, et une approche numérique pourrait compléter en fait les résultats qu'on observe. Et donc sur ce, je vous remercie de votre attention. Bon, merci beaucoup pour cet exposé très pédagogique.